Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation d'une vidéoloupe électronique de poche, la Clover 3, à transporter dans votre poche pour avoir une possibilité de grossir tout ce qui se passe autour de vous, les prix dans les magasins et tout ce qui vous entoure. Donc, présentation de cette vidéoloupe, la vidéoloupe de poche Clover 3 par Christophe. On est donc sur une boîte rectangulaire. Nous sommes donc en présence de la boîte ouverte. À droite, nous allons rencontrer un espace dédié au câble. Sur la gauche, nous allons donc rencontrer une housse qui renferme notre vidéoloupe. Cette vidéoloupe, la Clover 3, est vraiment très petite et très transportable. D'ailleurs, la housse possède une dragonne. On va la sortir tout de suite de celle-ci. Alors, la voici. Cette vidéoloupe est vraiment très petite, très portative et rentre parfaitement dans une poche de chemise ou dans une poche de pantalon sans problème. L'écran fait 3,5 pouces de diamètre et vraiment, on a un très bon aperçu par rapport à cet écran. Différents boutons entourent cette loupe et à l'arrière, on va pouvoir donc éclairer, on va pouvoir lancer différentes LED pour éclairer le document lorsqu'on aura besoin d'éclairer le document. Continuons le déballage. Nous allons donc avoir une notice qui sera bien sûr complètement en français. Alors continuons le déballage de ce qui concerne cette boîte et nous allons tout de suite rencontrer la petite lingette qui va nous servir à nettoyer la vidéoloupe sans problème, la vitre de la vidéoloupe. Bien entendu, pour recharger notre vidéoloupe, nous allons avoir besoin d'un câble et celui-ci est de couleur blanche et sera de type C vers USB type A. Donc, vous allez pouvoir recharger votre vidéoloupe grâce à ce câble livré bien sûr avec. Et bien sûr, pas de panique puisque la prise secteur sera fournie aussi, donc aucun problème. Voilà donc pour le contenu de cette boîte, de cette Clover 3. On va donc passer maintenant aux caractéristiques techniques de cette vidéoloupe et à la manipulation de celle-ci. Donc la loupe de poche Clover 3 s'utilise à plat sur une table et l'utilisation est très simple. On a donc sur le côté droit le bouton de marche arrêt pour lancer notre vidéoloupe. Un appui long nous permettra de la lancer. Équipé donc de 10 modes différents de colorisation ainsi que d'un zoom de 3,5 à 16x. Vous allez donc pouvoir utiliser votre Clover 3 pendant une durée de 3 heures continues sans aucun souci malgré que vous allez utiliser le grossissement ainsi que les LED. Côté dimension, on est donc sur une dimension de 90-72 sur 18 mm d'épaisseur, donc très petite, très portable, très adaptée pour les poches. Elle est très transportable. Les boutons poussoirs vont vous permettre d'augmenter ou diminuer le zoom. Le bouton marche arrêt aura une double fonction. En appuyant dessus, vous allez pouvoir rentrer dans les différentes options de la loupe puisque vous allez pouvoir activer, vous allez pouvoir désactiver certaines choses. La possibilité par exemple d'activer ou désactiver des bips, la possibilité de rentrer dans le menu et voir comme ici le niveau de batterie, voir si on a activé les bips, le niveau de colorisation. Alors, comme vous pouvez remarquer, pas mal de petites options très intéressantes. Un appui long sur le bouton marche arrêt arrêtera et redémarrera automatiquement la vidéoloupe. Alors, le bouton de couleur rouge vous permettra de changer la colorisation de votre écran. Vous allez pouvoir passer sous une dizaine de coloris et ça, c'est plutôt appréciable par rapport aux différentes pathologies.
Voilà, cette loupe, vous allez pouvoir la transporter, comme vous pouvez voir ici, dans les magasins, partout où vous allez. Si vous avez besoin de regarder, par exemple, sur une enveloppe, où que vous soyez, vous allez avoir la possibilité de sortir, puisque très discrète. Alors, cette loupe de poche, la Clover 3, vous allez la trouver aux alentours de 245 €. D'ailleurs, vous aurez les liens directement dans la description pour vous diriger sur sa fiche technique instantanément. La vidéo loupe de poche Clover 3 fait partie des plus petites loupes de poche sur le marché en vidéo loupe électronique. Très petite, très légère, vous aurez donc à peine 100 grammes dans la main. Une vidéo loupe qui peut être utile aux personnes en situation de handicap visuel, malvoyante, les seniors, si vous avez beaucoup de difficultés à déchiffrer sur une enveloppe, cette vidéo loupe pourra vraiment être parfaite pour vous. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On vous dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessibilité. N'hésitez en aucun cas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour continuer à nous suivre. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo